Hola, 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 buenos mitas! ¿Cómo están? Salut tout le monde, c'est dimanche. Non, c'est pas dimanche, c'est samedi. C'est samedi, ça veut dire qu'on a 2 jours de week-end devant nous. 2 jours pour faire du stream, pour s'amuser ensemble. Bienvenue à ceux qui seraient déjà là sur le channel. Petite nouveauté, vous avez vu peut-être que je n'ai plus mon micro-casque. J'ai juste rajouté ce petit casque ici pour avoir vraiment le son du jeu, etc. dans mes oreilles. Mais voilà, nouveau micro. Pop filter, man. Et voilà, petit micro pro. Normalement, le son devrait être de... Voilà, de mieux en mieux. En tout cas, de meilleure qualité qu'avec le micro-casque. Ce que j'espère, en tout cas. Et donc, on va pouvoir... être un petit peu plus libre au niveau des casques, etc. Au niveau du micro qui est devant la bouche, c'est pas très agréable. Et le son de ma voix devrait être... you know. Donc voilà, petite nouveauté. J'ai ce qu'il faut maintenant pour avoir un son un petit peu plus pro au niveau du mic. Vous entendrez par contre peut-être quelques sons aussi à côté. Donc n'hésitez pas à me dire si vraiment il y a des gros soucis au niveau du son. Ce sera avec plaisir. Donc un petit retour dès que vous avez accès au channel et au son, un petit retour sur la voix, sur comment ça se passe, s'il y a vraiment de gros problèmes, si vous m'entendez pas ou quoi que ce soit. Alright, alright, it's gonna be good. On s'amuse ce matin, on est avec petit café. On va juste chiller un petit peu, BG, des escarmouches certainement, ce genre de choses, en mode pépère, en mode chill out. Je me réveille, les doigts sont pas encore réveillés, donc on va certainement se faire déchirer un petit peu. Voilà, on va se mettre dedans. On va se mettre dedans. It's morning, man. It's morning. Et en tout cas, je souhaite la bienvenue à déjà tous ceux qui sont là. It's gonna be okay. No. No. What do you want? Donc je suis en Speglad, histoire d'être un petit peu résistant ce matin. Gonna die, motherfucker. Die! Yes, you are. Dead. Killers. Killers have to die, man. Oh, damn! Damn it, there were so much on me. So many, so many, so many, so many. Ok, ça commence bien, la chose c'était pas mal pour un petit... Oh ça va, on commence bien, on est en Speglad. Un petit peu de dips. A little bit of dips. On va voir ce que ça donne. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui nous auraient rejoints sur le channel ce matin. Voilà, on est en mode chill, prenez votre café, prenez votre petite tartine. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir, c'est le matin, on est bien, on est tranquille. On fait un petit peu de PvP, man. A little bit of PvP. Faudra vraiment que je change ces casques. La qualité de ces casques sont vraiment à chier. Voilà, c'est le seul casque que j'ai trouvé un petit peu pépère pour ce matin. Sans my... What the fuck? Leave me alone! Don't wanna die! Don't wanna die. Yo! We win, man! Poor AU. Come here. Nope. Trinket it? Alright. Shouldn't have. Nope. Nope, sorry man. Won't work like this. Sorry bro. Sorry bro. Come on. Wanna play like that? Ah, come on! We can do it! Fuck it! Fuck it! Oh là, je suis pas réveillé, hein. Putain, je sais plus mes binds. La moitié de mes binds, je les connais plus. Ah, c'est terrible le matin. C'est terrible. Oh my god. Voilà, soyez pas trop exigeants hein, ce matin. Soyez pas trop exigeant avec moi, c'est pas cool. C'est pas cool. It's not cool, man. It's not cool. Doug doug doug.
Hey, you wanna go? You wanna go with me? Hey, come on, come on. Yeah. No problem for me. It's not a problem for me, man. It's not a problem. Leave me alone! Ah, j'ai mes talons à reine! J'ai mes talons à reine, j'avais oublié! God! God, 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 God! Need this, need this! C'est pas grave. C'est pas grave, je changerai ça après. Tonton, tu t'es pas réveillé. T'es pas réveillé. Faites-moi un petit retour pour ceux qui sont là, s'il y a déjà des gens qui sont ici. Comme je viens de changer le système de micro pour un micro pro, là, plus de casque, etc., plus de son bidon, n'hésitez pas à me faire un retour sur le. Sur le son du mic, savoir si c'est assez crispy ou not. J'ai même pas claqué une fois mes CD de. N'importe quoi. Come on! Fuck! Pourquoi ma charge fonctionne pas? Sérieux? Ah, vas-y, mais pédale de. Pédale de paladin, viens te battre. Oh my god. Speed! Pédale. Et l'autre, tu veux pas le tuer, le mage? Il fait quoi? Sérieux, fais-lui quelque chose? Non mais il se fout de moi, le mage, là. Oh my god, mais le mage! Fais quelque chose! Oh mon dieu, mais il est sérieux, lui? Oh mon dieu, c'est quoi ce mage? Viens te battre, pédale de paladin, non sérieux, mais c'est pas lourd. Oh mon dieu. Et tu veux pas venir te battre, sérieux? Sois. Be a man, man, be a man! Oh my god, be a man. Bubble down. Be a man, man, be a man. Ok, je vais aller buter ton heal. Mon dieu. Ok, 4 sur moi, c'est bon. Allez. Allez, maintenant il se bat. Hein. Pédale, vraiment pédale. Maintenant tu te bats. 4 sur moi. C'est vraiment pédale de paladin, mais sale gros connard de merde. Putain, je te pisserai dans l'œil. Je te pisserai dans l'œil, espèce de vieille gay paladin. Ah là là, sale tête dehors de 4 contre 1, ça se bat. 1 contre 1, ça se bat pas. Ça le pédale, va. Putain, ce que ça m'énerve, ça. Dès le matin, il m'énerve déjà. Grosse pédale de paladin, va. Les gars, ils ont imposition des mains. Ils ont des bubules dans tous les sens. Ils peuvent se healer et ça ose même pas se battre 1 contre 1. Ah, ça me fout en run dès le matin. Des pédales pareilles, quoi. Allez, je vais me venger. Je vais me venger sur ce pauvre petit hunt. Vengeance. Vengeance. Je vais le retrouver, mon petit paladin. Je vais retrouver mon petit paladin. Eh tiens, j'aurais dû faire le mode poulet. J'aurais dû faire le mode poulet. Oh putain, dès le matin, il m'énerve ce genre de pédale. Oh mon dieu, ça joue des classes shit et ça fait la pédale. Oh mon dieu. Oh tes dieux.
Non, de bleu. Ouf, oh, je sais pas vous. Ça me met en route déjà. C'est le matin, on est tranquille. Bienvenue à tous, bienvenue à ceux qui seraient sur le channel. Merci d'être parmi nous. Ça fait plaisir. N'hésitez pas à me faire un petit retour sur le son pour savoir si tout se passe bien avec le nouveau micro qui est en place. Un micro un petit peu plus suave. Suave, man. Je me fais whisper par un gars du raid. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va pas, mon petit gars? Ah, est-ce qu'on se met en route avec quelques petites escarmouches? On pourrait faire quelques petites escarmouches vite fait. Alors, je regarde juste un petit peu. Voilà, on va faire un petit peu d'escarmouche, ça va nous réveiller. Skirmishes, man. Skirmishes. Salut les mondinelles, bienvenue sur le channel, merci à toi d'être là. Bon matin. Bon matin. Je suis tout seul dans l'arène, c'est bien, ça commence dans 30 secondes et je suis... alone. I'm alone. Je sais pas contre qui je vais jouer. What the fuck? Oh no! Un démo. Oh man. It's gonna be tough. It's gonna be tough. Arène aléatoire, bienvenue dans le monde de la folie. Faut être fou pour faire ça, mais moi... ça nous entraîne dès le matin. Dès le matin. Come on, man! Je vais aller sur le moine. Allez. Go on, monk, man. Go on, monk, man. Where's my teammate? Ah, oh, come on. That's good. Come on, kill him! We can do it, man! We can do it! Fuck you! Bloodbath, man! Fuck you! Killing! Killing! Kill the monk! Kill the monk! Execute! You're dead, bitch! Good. Il est pas mon démon, il est bon. Yeah, you can do me, man. I'm a gladiator warrior, you know? We did it! First of the day. First of the day, man. Alright, je reviens avec toi, pas de soucis, ça marche, man. Ça marche, ok. You're good. Je sais pas dans quel space jouer mon petit... des monos, pas mal. That's good. Bonjour à tous ceux qui arrivent sur le channel, merci d'être là, c'est samedi matin. On se réveille tranquille, petit café, petite tartine. On est... voilà, on s'amuse un petit peu, on réchauffe les doigts. J'ai mes doigts qui sont congelés, j'arrive pas à jouer, c'est pas grave. Thanks, man. Est-ce qu'on va se... go hand, man? Let's go on the hunt, man. Let's raid the hunt.
Blow him! Oh, like this. You wanna play like that, man? Oh, right. Blow him away! Put some pressure on the heel. Fuck it. It's gonna be tough. It's gonna be tough, man. Fuck you. We can do it. We can do it, guys. Trinketed, Shannon. Come on, guys. Stop running everywhere, you bitch. Ça va les contrôles? Je peux faire quelque chose sinon? Fuck you guys. I'm not dead guys, I'm not dead. Fuck them! Fuck them all! Putain, un contre deux! Où était mon démo? Regardez les dégâts infligés. Look at this. Look at this, guys. Look at this. Allez, je dis. Ah, il est parti. Regardez, il fait de la merde et il part. Il part. Je fais le combat tout seul. Avant, il me redemande parce qu'on gagne. Voilà, là, il fait du caca et il s'en va. Look at the damages, man. I'm a monster. I'm a monster! Voilà, il a pas réussi à tuer le Hunt. You shitty. Go on the healer, man. Go on the healer. Fuck me. Ah, j'ai fait du 3-3 peut-être. En 3-3, on peut se marrer un petit peu. Vous avez vu Speglad? Speglad, c'est très, 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 très violent. Extrêmement puissant. Vous faites le café, vous pouvez faire du 1 contre 2. Du 1 contre 2 assez facilement. Vous pouvez même gagner des fois 1 contre 2, ça m'est déjà arrivé. Et ça fait mal. Ça fait mal quand même. Là, je suis en train de faire un petit peu des tests en... pour hésiter entre Bloodbath, Bain de sang ou Avatar. C'est assez similaire. Avatar nous donne un petit moyen de limiter les... d'être un petit peu plus mobile. D'être un petit peu plus mobile. Oh god, that's good. That's good, man. Nice group. No healers? Oh, fuck. D'être un petit peu plus mobile puisque ça me permet d'enlever un ralentissement de plus et d'augmenter un peu mes dégâts. Bloodbath, ça fait quand même mal. Ça fait quand même mal. Alright, I'm stuffed. Okay, on va essayer de péter le heal direct. Alright. 3 DPS, let's go. Let's go on the chamois. You're gonna burn. Shaman down. Shaman down, man. Shaman down, man. Trinket it, shaman. There you go.
Burn! Burn the shaman down! Okay, now they're dead. Now I'm in the mix. Fuck you! I can kill them both. It's not a problem for me. Je suis un spéglad, les deux je les finis tranquille. They're just dead, guys. Don't die, mate! Don't die, mate! Go hunters! Let bass, man. You're gonna die. Stay here! You can't do with me, man. I'm too strong. Deterrence. Ah, j'étais même pas en spéglad. Deterrence down. J'étais même pas en spéglad. Mais fuck, come on! Ah, fuck you, man. Deterrence down. Whew. J'ai même pas vu que j'étais en spé prot. J'étais en spé prot, j'oublie toujours de changer cette saloperie de stance dès qu'on arrive au départ. Grossière erreur de ma part. Je peux jouer en prot. Je peux jouer en prot. Mais j'ai moins de... J'ai pas ma charge de bouclier qui me permet d'être beaucoup plus mobile. Et j'ai pas non plus le... J'ai plein de choses, quoi. J'ai plein de choses que j'ai pas, ça va pas du tout. Ça m'a perturbé. Et je fais beaucoup moins de dégâts. Beaucoup moins de dégâts. Whatever. Whatever. Mais je suis encore rouillé. Hein. Oh là là, c'est le matin. Je clique sur des sorts. J'ai plus mes binds dans tête. Cette série. C'est terrible. En tout cas, je vous remercie tous ceux qui seraient là. N'hésitez pas à faire un petit bonjour, un petit coucou sur le channel. J'essaierai de lire un petit peu en même temps ce que je fais, etc. N'hésitez pas. Right. Ok, warrior, then rogue. Bloodbath, motherfucker! Look at this. Bloodbath, j'adore. J'adore ces saignements. That's gorgeous. Where are you, man? Come here. Cloak down. Vanish. Ah, fuck you, man. Vanish. Vanish. Boom. You're dead. You're dead. L'avantage là, c'est qu'on a. Je suis avec un DK. Un DK qui est correct. Et on a un. C'est quoi? C'est un Feral ou c'est un Booby? Bonne question. Bonne question. Voilà. Le DK est très. Peut vraiment s'autogérer assez facilement. Ouh, Druid Eki. Alright. Le DK peut se gérer assez facilement. Je peux aussi. Et donc après, le Boomy aussi, il a quelques heals, donc en fait, on a une bonne team là. On a une bonne team qui fait du gros DPS, et surtout qui peut gérer en face pas mal de trucs. Oh, God. God, God, God. Qu'est-ce qu'on choisit? Death Knight, maybe? Death Knight? Death Knight ou Chamelio? Let's do this, guys. Let's do this. Je vous souhaite la bienvenue à tous ceux qui sont là. C'est samedi matin. On s'amuse. On se déverrouille un petit peu les doigts. Oh, God.
Let's do this. I'm going on a DK, man. Je déteste le DK. Je déteste. Faut qu'il meure. Faut qu'il meure. Salut bébé Nashor. Welcome to the channel. Bienvenue à toi. Ça fait plaisir de te voir, mon petit bébé. DK shit. We're going bloodbath now. Don't go on me, man. Bloodbath everywhere, man. Oh, nice! Look at this! Let's put out some damages, man. Die, DK! Die! He's dead. DK's dead. Oh my god, look at this! Both dead, man. Oh my god, we're too strong. Trinketed Hunter. J'adore cette douce voix. Oh, look at this. Look at that. That was great. Boom. Oh my god. Good job, mate. Good job, mate. That was great. That was great. That was... Oh my god. Oh, ce qu'ils ont pris. Oh shit. Oh shit. Le DK est pas passé loin de la mort. Mais... Oh putain. Oh, on a perdu quelqu'un. On a perdu le Boomy. Oh no, we lost the Boomy. It was good. It was good. Il était pas mal, hein. Le Boomy là. Le DK est pas mal. Oh no, stuff PvE, man. Stuff PvE. God damn it. We're gonna die. Ok, on va voir quel spé. Arme sans heal. Je pense qu'il va se faire ouvrir en deux. Oh. Je vais essayer de choper le voleur. Oh god. Et on va essayer de faire Warrior Rogue Hunt. Let's do this, guys. Bienvenue à tous ceux qui sont sur le channel. Je vous remercie d'être parmi nous. Let's go. Ok, war. Shit. Come on. Don't let me alone. Oh! Hello you. Okay, I'm going out of war. Okay. Salut mon... Ah, il se fait ouvrir. J'allais dire le War Army se fait ouvrir en deux. Okay, Hunter is dead. This guy is dead. Kill him! Yes, we did it! Il peut rien faire contre moi. You're dead, man. Come on! Come here, man. You're dead. Vanish. Evasion down. Evasion. Oh! Ça pique. No! No! Blind. No! Stun me. You're dead. Ouh! Ouh! Close, close! Non, pas avec lui, il est nul le guerrier. Non, ah bah allez, on tente. Le guerrier, bon par contre il a détruit un ou deux gars. Honnêtement ça va, honnêtement j'avoue. Il est en carton pâte, ah il est pas revenu. Alright. Bah, le DK est pas mal, le DK joue bien. Oh, again. De nouveau le petit guerrier. Faites-moi un petit retour, s'il vous plaît, sur le micro. C'est un nouveau micro professionnel. Qui me permet de vous parler sans avoir un micro casque, etc. Dites-moi si le son est correct, si c'est pas trop fort, pas assez fort, etc. S'il faut que je fasse quelques petits ajustements. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui sont là avec nous ce matin, ça fait super plaisir. On fait un petit peu d'arène, on se dévergonde, on... Voilà, skirmishes, escarmouches aléatoires. Il faut être suicidaire pour aller là-dedans. Vous savez pas avec qui vous tombez, vous savez pas sur quoi vous tombez. This is war, man. Si vous êtes un boss là-dedans, si vous êtes un boss en arène et que vous en gagnez beaucoup, en arène aléatoire, damn, c'est que vous êtes vraiment pas trop mal. Alright. Tout va bien. That's cool. Et je peux faire des voix de trailer un petit peu. We only got one chance. One chance to survive, man. Ok. You stun? I'm going on the monk, man. Bloodbath. Je donne tout sur le monk. Going on a monk. Going on a monk. Right now. L'aspect glade, l'important c'est de monter assez votre rage
Oh god, already? Was dead already? L'important quand vous êtes en Speglade, comme je suis là, c'est ce sort là. Ce sort là est très très important, votre barrière protectrice, montez votre rage, mettez des boubous, montez la rage, mettez des boubous, etc. etc. Si vous êtes vraiment safe, vous pouvez jouer un petit peu plus en... Voilà, avec des attaques qui font des dégâts, tout simplement pour faire un peu plus mal. Par contre, voilà, la barrière protectrice, quand vous faites du 1 contre 2, vous vous retrouvez dans des situations un petit peu abracadabrantesques. This is it, man. This is... Oh, God. Can we have a healer, please? We want a heal. On n'a jamais de heal. Oh, prêtre sacré? Sacré? PVP, prêtre sacré? Oh, my God. It's gonna be crispy. It's gonna be crispy. On va essayer de déglinguer le prêtre. Prêtre sacré en PVP, il faut être un peu suicidaire. Hein. Je sais pas. Chaud. On va tout mettre sur le prêtre. On va tout mettre sur le prêtre et après on va aller sur le warlock, je pense. Oh god. Ah, on a fait une bonne kill streak là. 4-5 de suite qu'on gagne. Honnêtement, sans healer, sans rien. That's cool. That's pretty funny, man. Hey, you. Come here, man. You're alone. Come here, man. Bloodbath. I'm gonna drink at this already. Nope. Cleave, baby. Fear. Drink it, priest. Finish him! It's gonna be tough. Psychic scream. Kill him! Cat! If he dies, we win. We can do it. Okay, maintenant on la joue safe. Stun, go on the fucking warlock. Bloodbath. Oh shit, I'm dead. Oh god, it was hard. On a pas tombé le heal assez rapidement. Je sais pas s'il y en avait un qui était pas sur nous, il était sur le warlock, je crois. Chaud. On aurait peut-être dû péter le warlock. Je pensais qu'on péterait le prêtre un peu plus vite. Et après on aurait été largement tranquille. Tout pas grave. Was close. Notre coéquipier en stuff PVE, c'est chaud, quoi. C'est ça le problème. Stuff PVE, on aurait pu, voilà, s'il avait été un petit peu plus stuff, je pense qu'on aurait défoncé le heal. En même temps, c'est vrai que c'est peut-être ma faute aussi, focus le prêtre heal quand on sait que le prêtre sacré, c'est tellement faible. Quoi, à mon avis, il aurait pas réussi à tenir un gars si on était les trois dessus. Whatever. Alright. Boom. Those guys are good. Oh, nice, not bad. Good stuff. Ok, je pense qu'on va essayer de... it's gonna be tough. La compo en face est chaude, là. Guerrière avec un paladin sacré. Oh my god. My god, it's gonna be hard. Et le voleur derrière, bon, assassinat, ça va. Moi, j'ai pas peur des deux cacs. C'est plus ce paladin qu'il faudra un petit peu de down parce que ça va piquer. Bienvenue à tous ceux qui arrivent avec nous, n'hésitez pas à laisser un petit message sur le channel. Ça me fait toujours plaisir de voir vos messages. Là voilà, c'est des escarmouches, donc c'est un peu plus difficile d'être vraiment très proche du chat. Mais j'essaye, la chaîne à ton temps, c'est ça. Interaction, guys. Boom. Bienvenue à tous. Welcome. We're gonna go arms all the way, man. Arms all the way. It's here. All fucking... Ok, je switch instant. Fear. Go on the warlock. Go sur le war. Pétez le war. Mm.
Il est pas tombé là, toi. Fist of Justice. Et on laisse avec les dégâts. Hand of protection. It's gonna be tough. C'est le prix des healers quand vous avez heal en 3 contre 3, laisse tomber. Bloodbath. Oh my god. Impossible. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse là quoi? Prudette, salut mon petit Jishin. Welcome to the channel. Thank you for being here. Merci à tous ceux qui sont là. On est une petite dizaine. On s'amuse, c'est samedi matin. Vous me regardez me faire défoncer en escarmouche. Alright, it's okay. It's okay. We lost, man, like noobs. Là, il nous faudra un soin. Si on a un heal, là, à mon avis, on explose au bout. Il faut juste un petit soigneur. C'est la différence qu'il fait, parce que là, avec le DK est vraiment pas mal. Et puis moi, en Speglade, je m'amuse. Je suis quasiment indestructible en 1v2. Donc voilà, c'est juste que là, il y a un healer de plus. Si ça avait été 2 DPS que le heal était mort, je pense que j'aurais pu finir. Un guerrier arme, il me touche pas. Et le voleur, c'est un petit peu pénible, mais c'est pas non plus monstrueux. C'est la loi de la jungle, comme tu dis, mon petit Jishin. Escarmouche, c'est la guerre. C'est ça que j'aime, c'est que pour se chauffer le matin... Oh my god, c'est incredible. Vous êtes tout de suite dans le bain. Tout de suite dans la merde. Tout de suite, vous savez pas ce qu'il y a. Tout de suite, vous savez pas sur quoi vous tombez. Man, it's gorgeous. Voilà, j'ai encore mes binds, je me gourre encore. Parce que c'est le matin, je suis pas encore chaud. Mais voilà. Mais vous tombez des fois sur des bons groupes. Vous tombez sur des bons groupes, ça se passe bien et c'est super cool. Moi, c'est ça que j'aime bien aussi, on rencontre des gens. Donc voilà, après s'il y a dans le chat ici ce matin un petit healer qui est chaud, n'hésitez pas, hein, je fais une invite, vous m'ajoutez par battle tag, on se fait des petites escarmouches pépères en live, on s'amuse, c'est midi, le monde est joli, le monde est beau, il neige presque dehors. Focus camera please. Oh my god, that beard. J'oublie que j'ai plus le micro des fois, je fais plus comme ça, j'oublie que j'ai plus le micro. That's cool. Alright, Full deeps. Quand le War. Hunt. Heal. Right? Okay. On va essayer. Let's do. Ah, c'est démotivant, mais par contre, ça vous donne une XP assez incroyable. Vous devenez vraiment très très vite... Vous maîtrisez assez rapidement votre perso, hein, à jouer comme ça. Quel guerrier arme, il faut qu'on le pète en deux. C'est squishy as hell, on va essayer de le péter en deux. Hey you man, hey you, come on. Come here. Trinketed warrior. Let's do some damages. Fear. Okay, finish him. Il a pas trinket. Finish him. Ah, oh, fuck you. Okay. I'm gonna put some pressure on the heat. Oh, fuck. You dead already, man? Okay, I'm gonna try to do the healer. Parce que les deux autres me font pas de dégâts quasiment. Oh my god, they're all dead! Heureusement que je suis là pour survivre un peu dans ces combats et vous montrer quelque chose, parce que sinon, oh my god! Je réponds au chat tout de suite après. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ça sert presque à rien de combattre. Allez, tour du YouTube, Non! I can survive this!
No, impossible, man. Hey, Tonton Bijou, salut Zarem, salut Zarem67, bienvenue. Tu m'expliqueras ce que c'est un war glad, j'ai jamais trop compris. C'est war def. C'est un war en fait avec la posture du gladiateur. Tout simplement. Donc on est un guerrier protection, mais en posture du gladiateur, ce qui nous permet de faire des dégâts tout de même considérables, malgré le fait qu'on soit en posture protection. C'est l'idée. C'est un peu plus squishy donc qu'un war protection, c'est un peu plus résistant qu'un war arm ou un war fury. Donc l'avantage c'est d'avoir un bon mix entre la défense, les dégâts, et je le joue dans une spé qui est un peu plus défensive. Donc c'est à jour, voilà, je suis en spé glad, donc je fais des dégâts conséquents, je peux faire des dégâts qui sont potables, mais je le joue surtout avec barrière protectrice pour me mettre des boubous en fait constamment quand vraiment je suis dans des situations un petit peu plus pénibles. Donc si vous êtes en full DPS en spé glad, en PVP, vous allez quand même faire très très mal. Vous n'allez pas faire des one shot. Mais voilà, pour jouer comme ça en aléatoire, dans des escarmouches où vous ne savez pas sur quoi vous tombez, avec qui vous tombez, that's incredible, that's incredible. J'adore parce que ça permet de survivre vraiment très très longtemps, même faire du 1v2. Des fois j'ai eu fait des 1v3 en arène sans problème. Si je tombe contre 3 DPS, si c'est 3 DPS physiques ou autres, me touche pas, me touche pas. Et puis, j'ai fait un guide, hein. Je crois que j'ai fait une vidéo, sauf erreur, sur l'aspect glad. Vraiment sur l'aspect glad, vous pouvez aller la voir, elle est normalement sur YouTube ou elle est encore sur ma chaîne parce que je crois que les 2 semaines ne sont pas passées. Donc n'hésitez pas à aller regarder ça, faites-vous plaisir. Si vous êtes jamais venu sur le channel, n'hésitez pas, boum, un petit follow ici, il y aura votre nom qui va apparaître ici pendant un petit moment. Et bam, il y aura une petite animation au milieu de l'écran, tac, avec une animation, bim bim bim, une petite danse, une petite image, un petit truc avec votre nom, etc. Qui dit que vous êtes un follower, donc ça fait toujours plaisir, boum, et votre nom sera là, gravé, ensuite sur YouTube. Les 5 personnes, les 5 derniers followers sont toujours inscrits ici, sur le channel, donc n'hésitez pas, si vous appréciez ce que vous voyez, et que vous avez envie d'en voir un petit peu plus. Tout à fait, c'est un bon couteau suisse. En effet, comme le dit Zarem, c'est un bon couteau suisse. Excellent, man. Ok. Sacred Priest. I'm gonna go on Affliction. Ok, ok, no problem, man. It's ok. Bloodbath. Oh my god, it's not stuff. Go, kill him! Kill it! He's dead! He can't survive this! Kill him! Kill him! Oh no, come on, guys! Fear, kill him! He's dead! He's dead! Die! Yeah! Come on, bitch! 90k, vous avez vu? Prêtre sacré, vous pouvez pas tenir quelqu'un prêtre sacré. Pourquoi les gens coûtent prêtre sacré? That's crazy. Okay, pressure on the healer pendant que les deux autres sont sur mon petit. What the fuck? Okay, let's go on the monk. How can you die, man? Don't die, man. Don't die. Don't let me alone. Wait, viens sur moi. Viens sur moi. Pas de soucis. Okay, I'm gonna blow that. Man, he's dead. Holy moly. Fuck shit. Okay, we can do it, guys. We can do it. We can do it. On va jouer très défensif. On peut le faire. We can do it. Vous allez voir comment on joue très défensif. Il ne fait presque rien. Le moine ne fait presque rien. Il ne fait pas trop peur. Ah, oh, come on! C'est quand même ça fou. It's gonna be hard. It's gonna be fucking hard, man. J'ai des coéquipiers qui me servent à rien. Can't do anything. Oh, oh my god, my god. Oh my god. Ça lag pas mal, c'est possible que ce soit ta connexion. Normalement chez moi il n'y a pas de problème, c'est juste que normalement il faut un bitrate d'au moins 2K5 pour voir la vidéo dans des qualités un petit peu plus... C'est meilleur. C'est vrai que je pourrais descendre un peu. S'il y a pas mal de gens qui commencent à se plaindre comme quoi ça coupe, est-ce que ça lag ou ça t'as du buffer? C'est-à-dire que est-ce que ça coupe, ça reprend, ça coupe, ça reprend, ça coupe, ça reprend. C'est possible, c'est peut-être ta connexion.
Et il faut quand même avoir une bonne connexion pour suivre le channel. Malheureusement, je n'ai pas encore assez de vues ou de followers pour que Twitch me permette d'avoir les... Que mes followers aient la possibilité de choisir la qualité de la vidéo. Donc vous êtes en source, non-stop. Et si, voilà, pour que la qualité soit au rendez-vous, j'ai augmenté un petit peu le bitrate pour que vous puissiez un petit peu voir l'image dans de bonnes conditions. C'est possible qu'il faille que je descende un petit peu. Peut-être que je descendrai plutôt dans les deux cas. Ça fait aussi peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont de la peine à voir le channel comme il faut dans de bonnes conditions. Donc je pourrais faire un test, peut-être que là, après la pause de midi, je vais de toute façon reprendre un petit peu les escarmouches, etc. Donc pourquoi pas descendre un petit peu, savoir si certaines personnes ont moins de problèmes. Voilà. Mais j'essaye d'avoir un compromis entre la qualité de l'image et la fluidité, etc. Pour pas que ce soit dégueulasse non plus à voir. Right? Right. Parce qu'en tout cas, normalement, au niveau du jeu, c'est assez fluide. Hein. J'ai pas de chute de FPS, etc. Au niveau de ce que je vois, moi, en direct, sounds good, sounds good. So, I don't know, man. Go... Oh, my God. Arms, all the way arms, man. Oh, my teammates, man. Putain, j'ai des coéquipiers qui servent à rien quand même. Alright guys, alright. Leave me alone as usual. Qu'est-ce que vous... Les deux coéquipiers meurent en instant quasiment. Vous avez vu quand même que j'ai une résistance qui est assez terrible par rapport à mes coéquipiers, hein. Voilà, comme vous les tuez 3 V5, qu'est-ce que... J'arrête de jouer, ça m'énerve, j'ai des coéquipiers qui ne servent à rien depuis à peu près une dizaine de matchs, c'est insupportable de faire du 1 contre 2, 1 contre 3 à tous les matchs. Ok, let's find some new guys. Ce qui me choque, c'est que je sois le dernier en vie. Ça me choque peut-être moins. Mais que je sois le premier en DPS quasiment tout le temps en spéglade. Ah, shit. Mais voilà, à mon avis, un groupe de 3 avec une spéglade, un heal et un très très bon DPS, ça peut vraiment faire très très très, très mal. J'ai eu un gros lag aussi. C'est sûr, moi je tiens pas 4 secondes en escarmouche. Ça dépend, il faut un heal. Si vous jouez War autre chose que Glad, ou autre chose qu'en prot, il vous faut un heal derrière. Hein. Clairement, les War Fury, ou surtout les War Arms, vous prenez des patates absolument phénoménales. Alright. Est-ce que ça lag encore chez vous? Dites-moi si vous avez des petits problèmes. Je suis sur le serveur Kazmoran. Kazmoran, man. Donc n'hésitez pas à me faire un petit retour. Moi, ce que je vois, c'est fluide. Hein. J'ai l'écran à côté aussi. Je sais pas, est-ce que c'est peut-être votre connexion qui est un petit peu juste pour le bitrate, ce que j'ai mis. Hein. Je dis pas que vous avez une connexion en mousse. Mais peut-être que c'est moi qui ai mis le bitrate un petit peu haut pour la majeure partie des gens. Alright. Est-ce qu'au niveau du son, c'est bon? Au niveau de la voix, les volumes, la musique, etc. Vous voulez que je mette la musique peut-être un petit peu plus fort? Est-ce qu'on fait du 2v2? 2v2, c'est chaud. Tout en sachant que si mon coéquipier est pas mauvais, on peut vraiment gagner. Et que je peux faire du 1v2 normalement dans la majeure partie des cas. Ok, on va faire du 2v2. On va essayer. C'est-à-dire que même si mon coéquipier est mauvais, au pire, j'ai que 2 personnes à tuer. Et pas 3. That coffee, bro. Let's go. 2v2, c'est la classe. Pour un speglad, this is crazy, man. Oh, Rogue! Cool! Hello, man. Alright. I'm not afraid of both. J'ai pas trop peur. Là, j'ai pas trop peur en face.
J'ai pas trop peur en face. On se péglade là. C'est gonna be okay. J'ai pas trop peur. Si le rogue fait son boulot. Alright, alright, it's okay, it's okay. Let's see what we have. Good luck, guys! No, no, we're gonna do it, man, we're gonna do it. Combat, Je vais aller sur le chaman. Je vais déglinguer le chaman parce que le spé combat, il va absolument rien me faire, j'ai même pas peur. Come on, guys, come on, not afraid. I'm gonna trinket this. I'm gonna put both bats. Fear. Là, je vais être très défensif. Ils sont les deux sur moi. Full defense, man. Don't die, little pussy. He's dead as usual. Okay, we can do it. Fuck you. Oh yeah. Pop some cools, right? Okay, now. Let's take a little break. Okay. We can do it. Nope, man. We won't do it. Okay, full boubou, on joue def. On se remet des boubous. Holy fuck! What a fight! Je vous ai dit, on peut faire du 1v2. On peut. You can do it, man. Chamelio. Putain de rogue sur ma gueule. Who's the boss, man? Who's the boss? It was crazy, right? That was crazy. That was funny. Mais tu prends même pas des 3K. That was crazy, man. Dégâts infligés. Yep. Who's the boss? Regardez ce qu'il a. Regardez les dégâts de mon poteau. Tu sers à rien. T'as fait 230K. T'as même pas enlevé la moitié de la vie de quelqu'un. What the fuck? Le chamélio est fait mal. Le chamélio est tapé, un salopard. Fallait que je le down. Voilà, un rogue, ça me fait pas peur. Vous avez vu la résistance du Warglad? Hallucinant. Barrière protectrice. Vous montez votre âge, vous claquez ce sort dès que vous pouvez. Boum, boum. Même si vous faites très peu de dégâts. S'il n'y a pas de heal en face, vous allez large, vous allez pouvoir passer. Allez, avec un peu de bol, on va tomber sur quelqu'un qui sait jouer avec nous. Ce serait cool. Ce serait cool. J'aimerais bien avoir une compo une fois ici avec un heal. Voir si j'ai le burst pour tomber quelqu'un. A mon avis, si on tombe contre 2 DPS en face, j'ai chaque fois gagné chaque fois que j'avais un healer. Après, ce qui est dur, c'est s'il y a un heal et un DPS en face aussi, j'ai pas forcément le burst pour tomber soit le DPS, soit le heal. Hey, amen. Could be good. Could be nice. Ok, j'ai un heal, il y a 2 DPS en face. Je vais me taper la milieu. Et le hunt... Going for the shot. We can do it, guys. Come on, man. Come here. Drinking it, Shannon. Popping blood bass, man. Come on, we'll do it. Go away, guys. Okay, my healer is safe. I'm safe.
We can do it! Can you drink of this? You're dead, man. Come on here, you. Come on here. Freezing trap. Ah, fuck, Chipotle. Chipotle blue reflects some freezing trap in the face, man. Come on, come on. I'm gonna intervene my healer. Bloodbath, man. On lui met des sédiments. On va lui mettre une shit sédiment sur la gueule. Deterrence down. You can do it, man. Deterrence down. Freezing trap. Fuck you, man. That's nice. Cycling it. On va lui mettre des sédiments sur la gueule. Deterrence. Deterrence down. You're dead, bro! You're dead and bro! That was nice, that was nice. Mais voilà, j'ai pas le DPS non plus pour tomber des heals, je pense. Enfin, s'il y a un heal en face, ça va être très très dur. It's gonna be hard. Enfin, peut-être que je passe Avatar ou autre. Mais vous voyez, voilà. Si le heal gère, en général, j'ai le temps de... oh shit. It's gonna be tough. It's gonna be tough. Let's go for... Difficile choix, là. Let's go for Priest. L'une de Précis, il me fait rien. Personnellement, il me touche pas. Il est même pas mal. Let's go for Priest, man. Oh, avec un peu de chance. Non, on va l'éclater. On va le faire claquer, ça disperse tout de suite. Psychic scream. No, I'm coming back, man. Spectral guns. Here. Psychic one. Trinket. Dispersion. Okay, dispersion. Stun. Iron bark. Spectral guys. Don't die. Psychic horror. Fuck you, bitch. You're dead. You're dead. Bloodbath. You know the bloodbath shit. You better run. Fear, man. Fear. Whew. We did. Yes, I do. Oui, j'ai des Macron. Vous les voyez peut-être pas. Vous les voyez peut-être pas. Salut Zoldan. Welcome. Welcome. Oui, j'utilise quelques macros, vous les voyez peut-être pas ici, ici dotés. Mais j'en utilise quelques-unes. Pas trop, pas trop. Ça fait pas tellement longtemps que je fais du PVP en même temps. Et pour l'instant, j'ai pas ressenti l'utilité d'énormément de macros. Pour le niveau auquel je joue, hein, bien sûr, et je prétends pas encore à une place dans le top rank mondial. Donc c'est plus pour m'amuser, hein. Je rassure tout le monde. Pour ceux qui voient des grossières erreurs, il y en a tellement, certainement. Je dois faire certainement des erreurs absolument incroyables. But it works. It works. It works. Et bienvenue à toi, Zoltan. Ça fait plaisir de te voir ici. Merci d'être là, ça fait plaisir. Il est midi, nous sommes samedi, on s'amuse. On fait un petit peu des escarmouches pour se délier les doigts du samedi matin.
Oui, j'ai quelques macros, quelques macros. J'ai mon Bloodbath qui est macroté avec mon trinket, etc. Qu'est-ce que j'ai encore qui est macroté? Je sais plus. Je sais plus, j'ai quelques trucs qui sont macrotés. Faudra regarder. Je suis plus un joueur PVP de PVE de base. Mais ben, un gros joueur PVE à la base. Et voilà, je me suis mis au PVP il y a... Ça doit faire 3-4 semaines, vraiment, que je m'y mets un petit peu, que je fais 2-3 trucs vite fait. On pause. Il me semblait qu'il avait avancé. Donc oui, il y a certainement des erreurs. Hein. Vous pouvez d'ailleurs, n'hésitez pas à me donner des conseils pour ceux qui sont des gros joueurs PVP. N'hésitez pas à me dire, voilà, tu peux faire ça, tu peux faire ci. Utilise pas ça, fais pas ça comme ça, etc. Mais c'est vrai que je pourrais macroter, j'ai déjà vu, je sais très bien qu'on peut macroter plein de choses avec Party 1, Party 2, Arena 1, Arena 2, etc. etc. Pour simplifier les choses. Sur Gladius aussi, je peux configurer des clics et tout ça. Mais whatever, whatever. Je suis pas encore à ce niveau-là. Sachez cependant que Tata a décidé de se mettre au PVP. Yes. Tata a décidé de se mettre au PVP. Donc, prochainement, on va faire une série. On va faire une série de Road to Rank 1. Ou pas. Ou pas. Donc, on va faire une série avec Tata. Les débuts de Tata en PVP avec Tonton. Et on fera une team 2. Du 2v2. Et le but, ce sera de... Oh, champ de bataille. Et le but, ce sera de voir jusqu'où on peut aller au niveau des arènes rankées en 2v2. Et le jour à Mage Frost, je jouerai avec mon War. On va essayer de faire ça. Ouais, je vais pas changer tout ça maintenant. Donc, il y aura des épisodes de, avec Tata en Mage Frost, moi en War, ou avec un autre perso, je verrai. Et le but, on va essayer de voir jusqu'où on peut aller en arène. Tout en sachant que c'est vraiment ses débuts, qu'elle panique encore un peu. Mais donc, il y aura toute une série d'épisodes sur l'évolution de Tata et Tonton en PVP. So, it's gonna be cool. Yes, ça marche, Dishin, à plus tard. Bon appétit, je vais certainement bientôt arrêter, peut-être après ce BG, je vais stopper le stream pour ce matin, je vais aller manger un petit truc aussi, mais je serai de retour certainement cet après-midi. No worries, man, no worries. Merci en tout cas à tous ceux qui sont là, n'hésitez pas pour ceux qui ne nous connaissent pas encore ou qui ne sont jamais là, si vous voulez savoir quand je stream ou voir un peu d'autres contenus aussi, n'hésitez pas à follow, boum, votre nom apparaîtra ici, il y aura une anime au milieu de l'écran. Ça fait toujours plaisir de voir ces petits follow, il y a une petite musique, un petit truc en direct, et c'est vraiment sympa. Moi, je joue sur privé et sur Kata et Volteka, donc je pense pas pouvoir te donner des conseils juste sur Kata en War. Bah, t'as une arme deux mains, et en gros, t'as une macro pour switch avec le boubou et mettre tes CD def, et après, tu récupères direct ton arme deux mains. Alors, je sais pas si tu peux switch. Normalement, tu peux pas switch de stuff quand tu es en combat. I think. Boom! Pepuni! Hello, Pepuni! Little zombie! Hey, Pepuni est maintenant follower! Merci, Pepuni! Bienvenue à toi sur le channel, ça fait plaisir. Petite animation, j'adore voir ces petits tédéding! Petite animation, n'hésitez pas à follow, votre nom est là, vous serez sur YouTube, vous serez encore là pendant jusqu'à l'infini. Alors je sais pas si tu peux switch les weapons, j'ai jamais vraiment essayé. En même temps là c'est pas le but, puisque comme je joue en spé glad, je joue en spé boubou etc. Donc j'ai pas besoin d'avoir une deux mains, je fais assez de dégâts comme ça. Mais c'est vrai que pour un guerrier peut-être arme ou furie, ça peut être pas mal de passer en posture def, etc. Alright, désolé, j'ai des whisps en même temps. Donc ouais, pour un guerrier qui est un peu plus squishy, passer en posture def quand on est en arme, boum, boubou, posture def, et re-switch après. Donc pas de soucis. Mais par contre, voilà, en glad, honnêtement, ça m'apporte rien, j'ai des dégâts qui sont assez conséquents en spé glad, donc j'ai pas forcément besoin d'avoir plus de défense. Ok, let's go like this. Alright. On va essayer de pas se faire bob. Oh, oh, that's one. Ok, I'm going into the mix, man. On va foutre la merde ici. Un petit fear. Il y a 3 heals en face. Let's go, into the mix. Let's do the shit, guys. Je suis focus comme un gros salaud. On revient en arrière. Don't take the flag, man. You're dead. Nope, you're not dead. You're supposed to die. Come on, man, die. Come on, come on. Oh, regardez tous ces gens qui tombent. You're dead. You no, no. Die. Okay, next.
Go on a healer, man. Mettez la pression. Quand vous êtes comme ça, mettez la pression sur l'équipe adverse en spéglade. Vous êtes tellement résistant que si vous avez en plus un heal derrière, vous pouvez vraiment foutre les dawa. Dispel. Ok, hop. Alright. Let's go on a healer. Put some pressure on. Oh, oh, boop. J'adore. J'adore. No. You can do it. Fuck as a healer. Die. Die. Ils ont tellement de heal en face. 1, 2, 3, 4. What the fuck? It's crazy. Oui, tout à fait, c'est le principe. Tu as bien fait, Zoltan. Ça peut, ça, Zoltan, ça peut très bien aider quelques personnes, clairement. Personnellement, comme je ne joue pas en arme, en tout cas, là, c'est temps. J'ai la spear, mais je l'ai fait carrément au début, beaucoup. En spear. Oh, je lui ai réflexé sur Chaos Ball. Sorry, man. Help me. What the fuck, comme ça. Qu'est-ce qu'il veut le voir? Ok, on va se faire le voir. Tu veux le battre? Wanna fight, man? Ça peut aider tout à fait l'espérame. Si c'est vraiment faisable, ça peut clairement être une macro à utiliser. Oh fuck. Heal, God bless. Oh god. Quelqu'un qui est en train de me détruire là. Oh my god, Cowsbolt. Shit. On a bien résisté. Vous avez vu, franchement, c'est assez monstrueux. Speglad, vous êtes résistant. Vous envoyez quand même des dégâts conséquents. Regardez. Honnête. Let's do this, guys. Je remercie encore Peponi. Peponi qui nous a follow ce matin. Merci, petite animation pour toi. Je te remercie d'être parmi nous. Perox Willow is here, man. Oh, I'm gonna help my brother. Divine Shield. Divine Shield, man. Il y avait un rug. Where's the rug, man? Okay, I'm gonna trinket it. Bubble down. This turn. Okay, go on the rug. Switch on the rug, man. Les rogues ne font pas du tout peur. Pas du tout. On se péglade, on peut y aller. On risque rien du tout. Evasion, quand un rogue pop évasion, mettez-vous derrière. Mettez-vous derrière. La plupart des rogues ne savent pas qu'évasion. Vous prenez quand même des dégâts si vous êtes à 240 degrés derrière lui. Rogues. They look badass, but they're stupid. Stun. Une bonne classe pour PvP, nous dit Peponi. Oh, il y en a beaucoup des bonnes classes pour PvP. Honnêtement, moi je trouve une des classes, en tout cas, qui me donne... la seule classe qui me donne vraiment beaucoup de problèmes en 1 contre 1. Et la seule classe que j'ai de la peine à battre en 1 contre 1, si vraiment il joue bien, c'est le Mage Frost. Le Mage Frost pour moi est absolument infâme. Infâme. Et l'avantage de la Speglade aussi, c'est que vous avez les 4 charges. Vous avez la charge aussi du bouclier à 15 mètres. Ça fait que vous avez 4 charges, vous pouvez vraiment rester collé à quelqu'un qui essaiera de se casser. Fear! Kill the healer, motherfuckers! Bloodbath. I'm gonna bloodbath. Regardez les saignements qu'on lui met sur la tronche. Kill the healer! Je lis le chat tout de suite, hein, dès que j'ai un petit moment de répit. Pour l'instant, c'est pas le cas. Et il revient sur moi, là. Il est décideur. You can do me, hein. Kill the heal! Fuck! C'est sûr que si lui, il a du heal et pas moi... You will die, man. Il peut rien faire. Charge le bouclier. Stay here, man. You're dead. Oh my god. Putain, ça me donne envie de jouer War. J'avoue. Honnêtement, le War, c'est la seule classe. Je joue beaucoup de classes en PvP. C'est la seule classe qui, ces derniers temps, m'a permis surtout d'avoir des dégâts conséquents. Et une survie franchement, plus que correcte. On se péglade. Je prends un pied pas possible. Stay here, man. Je prends un pied pas possible. Pas de soucis, mec, enfin, un streamer qui donne envie de rester sur le live. Oh, thank you! That's so kind of you, man. That's so kind, Peponi. I like you, man. I like you, thank you. Thank you. C'est le but, moi, c'est le but de ma chaîne. Je l'ai toujours dit, le contenu qui passe derrière n'est pas vraiment la priorité pour moi. La priorité, c'est d'être avec vous, d'être là, on s'amuse, c'est samedi matin, et de partager ensemble.
C'est pour ça que je suis toujours en train de regarder un petit peu le chat, voir ce que je peux faire, voir ce que les gens me disent, et surtout si je peux répondre. Let's go in the mix. Oh fuck. Non, on va pas claquer deux. Ok, let's go on the healers. Vous êtes là pour mettre la pression. Vous êtes un war, vous mettez la pression. S'il y a un heal derrière vous, foutez le dawa, foutez le bordel. Oh god. Stay here. Fear. Foutez la pression et vous reprenez le build. C'est comme ça. Vous êtes là pour foutre la merde. Vous allez peut-être pas faire les dégâts les plus incroyables du monde, mais vous allez pouvoir foutre la merde. Trait du chaos. Fuck you, man. Regarde, on va reflect parce qu'on va se prendre une chaos ball dans la gueule, je le sens. Charge, charge, boum. Regardez comme les a poussés. Foutez le dawa dans la merde, même si vous... Voilà, il n'y a pas besoin d'être incroyable. Faut juste résister, foutre la pression sur la team adverse. You're okay, man, you're okay, man. Charge. Die. Nope, no, no. Stay here, man. Vous n'allez pas prendre le drapeau, non. You won't. No. Et en 1 contre 1, en 1 contre 1, en Speglade, vous allez quasiment être indestructible. J'ai peur de personne en 1 contre 1, à part des matchs frost, comme je vous ai dit. Hey, I wanna be your girlfriend! Hey, hey, you wanna be my girlfriend? C'est celle-là, non? Je crois que c'est cette chanson-là. Oh fuck, taking damages, popping cools, oh my god, oh my god, so. Execute Chaos Bolt. Fuck you guys. Fuck you, Demos. Oh my god. Non, franchement, testez le War. Si vous avez un War sous la main, je vous conseille de tester la Speglade. La Sperm est très jouissive parce que vous mettez des 300-400k critiques en Execute. That's fair. Mais vous allez crever instant. En Speglade, vous allez avoir la résistance. J'ai fait une vidéo, un guide sur la Speglade. N'hésitez pas à aller regarder. Jouez Prot, Full Prot ou la Speglade. C'est vraiment super sympa. Hey, come on, you. Look at the demo. Allez, leave me alone, man. You're gonna die. Ok, let's go. On va voir comment je vais comprendre. Allez, il peut rien faire. Un démo. Qu'est-ce qu'il veut? Il est bon. Execute. Execute, you dead. All dead. They're all dead. Get sick to say. Oh my god, look at this! I forgot! Regardez tous ces coffres. J'ai oublié de les ouvrir. En plus, ils chantent. Ouais. This is crazy. Let us meet you. Oh my god. Fear! I wanna kill this paladin. You're gonna die now. You're dead. No! Divine Shield, fuck you! Healer, dead. Don't heal, bloodbath. On va lui mettre un peu la pression. He's dead, man. Hey, you! Hey, I just met you. You're gonna die, bro. Give me your number. Ah, fuck you. Ah, je te déteste. Je te déteste, Ferox. Je te déteste. Où est le hunt? Il y a un pet, mais il n'y a pas de hunt. Where is the hunt? Oh, it's here! Boom! Oh my god, j'ai cru qu'il voulait se suicider. Oh my god. Voilà, donc n'hésitez pas, hein, comme Pepouli, boum, un petit follow, si ça vous plaît ce que vous voyez, si vous voulez savoir quand je stream. Voilà, n'hésitez pas, il y en aura un petit peu. Je stream un peu tous les jours ou tous les deux jours maximum. Donc n'hésitez pas à faire un petit truc. Vous aurez votre nom là, immortalisé avec une petite animation. Oh my god, hello guys. Une petite animation au milieu de l'écran juste pour vous, rien que pour vous guys. Ok, on va le tenter. Oh, Zoldan, TCLV, boom! Regarde, un petit Illidan qui vole! Just for you, man, look at this! Ah, that's so cool! Zoldan, thanks, bro! Thank you, man, that's cool! Pretty fun, votre nom est là, vous serez en plus sur YouTube, puisque je mets les vidéos ensuite sur YouTube, je les retouche pas, etc., donc je couperai pas votre nom. Oh! Oh, wow! I just met you! On va foutre le bordel là-bas au milieu, look at this! Rogue, can I play, please? Can I play? Yo, go on the healer. Stun. Bloodbath. Non, si vous avez un war sous la main, franchement, vous allez prendre un pied, pas possible. Et en plus, vous allez faire un DPS de cochon. C'est ça le pire. Ah, fuck you.
Moi aussi, je peux te fear. You feared, man. Kill him! Kill him! He's dead. He's dead. They're all dead. Best animation, les gars, appuyez sur le petit cœur. Et il y en a, je vous préviens. J'en ai des animations comme ça pour les followers, j'en ai ajouté des dizaines et des dizaines, il y en a plus de 40, je crois. Autrement dit, normalement, c'est pas les mêmes, ça tourne. Donc ça veut dire que chaque fois qu'il y aura un nouveau follower, il y aura une nouvelle animation. Isn't it gorgeous? Il y en a aussi pour les dons. Les dons. Voilà, je n'oblige personne, je rappelle, à faire des dons. Hein. Ce n'est pas du tout le but du channel de faire de l'argent. Il y a des gens qui sont généreux, vous les voyez en bas ici. Hein. Ils restent en bas aussi pendant un moment. Il y a des gens qui ont fait des dons. Même un euro, c'est toujours un plaisir pour moi et ça me fait chaud au cœur. Et j'ai mis un son, un nouveau son pour les dons. Oh my god, guys. Enfin, je me suis dit qu'il fallait récompenser ces personnes et j'ai mis un son pour les dons. Que tout le monde sache que quelqu'un a fait un don. Ça va vous exploser les oreilles. Mais c'est un son absolument fantastique que moi j'adore, que vous connaissez bien d'ailleurs. Mais voilà, donc n'hésitez pas, la prochaine fois si vous êtes en live, attendez les dons parce que si on a un, vous allez vraiment être surpris par le son, et moi aussi d'ailleurs, et j'adore ce son. Mais voilà, je remercie déjà donc Pepouni et Zoldan qui nous ont follow ce matin, ça fait super plaisir. J'espère que vous reviendrez surtout, que vous serez là pour les prochains streams, parce qu'on stream vraiment, vraiment pas mal sur la Tonton TV. Il y a du chant, en plus maintenant je me mets à chanter, oh my god. We're in trouble, reflect. Hop, tiens, réplique ton incinéré. Boum. Oh my god, chaos bolt everywhere. We're dead. Execute. Fucking execute, man. Fucking execute. Ils tapent ses démos quand même. Ils sont squishy. Ils sont squishy, mais quand vous les laissez caster les démos, oh my god. On gagne? Non? Ou non? Non, non. Faut qu'on aille récupérer en face. We're close. Nope. Oh my god. So many red, guys. On va les reprendre en face. Let's go. Let's go. Gonna do it. We can do it. Vous avez la musique un petit peu? J'adore, mais j'ai la musique dans les oreilles, je suis au top là. 80s. That's so cool. I'm crazy, yes. Oui, je suis fou. Yes. Il faut être un peu fou de toute façon pour montrer sa gueule un samedi matin comme ça. Divine Shield? Fuck you. Bubble down. Bubble down? Stay here! Flood Burst. Il faut être un peu fou de toute façon. Oh, you're dead. You're dead. Tout, 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 tout. Là, vous êtes chou. Vous êtes chou. Hmm. Bro fist to you guys. That's a bro fist. Come on, we can win this. Enter. And my brother alone, man. Oh shit. Il a pas de stuff. Il a pas de stuff. He's dead. He's dead, man. He's dead. Yes, you are. Yes, you are, man. You're dead. Rally, you're fucking dead, man. Alright, let's go! On peut gagner, on peut gagner. We can win this. We can win this. Mm, come on. Oh, rogues! J'adore les rogues, ça croque. You're dead. Next. Bloodbath. On va lui mettre des saignements avant qu'il vanish. There's a fucking healers! We can do it. Execute. Fuck. We lost. Regardez les dégâts. Honnêtement, Speglad, hein. Speglad, donc une spé qui est très résistante. Je suis presque top DPS. What do you want? What do you want, man? What do you want? It's crazy. J'adore. 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 Et les gens, vous avez le droit d'aller manger, hein. T'as le droit d'aller manger, vous n'êtes pas obligé de rester. Allez, on va s'en faire encore un. On va s'en faire encore un petit peu là. Mm-hmm. Champ de bataille. Yep. Let's go. 4 minutes, on va attendre. Si ça pop pas le champ de bataille, on fera encore une ou deux escarmouches. À l'ancienne, à la one again. À la one again. J'ai presque envie de tester un petit peu Avatar. Mm. Mm-hmm.
C'est. Si vous avez des questions sur tout ce que vous voyez, bien sûr, n'hésitez pas. Hein. Si vous avez des questions sur les add-ons, sur les... Tout ce que vous voyez. Just ask. Music, man. J'ai de la musique dans les oreilles, comment t'arrêtes? Ok, skirmishes. 2 contre 2, 3 contre 3. 2 contre 2, 3 contre 3, je voulais choisir. 2v2, 3v3. Just tell me, guys. I wait. Est-ce qu'on part en 2v2 ou 3v3? On est escarmouche aléatoire, hein. La guerre. C'est la guerre. Il faut sauver le soldat Ryan. This is war, man. This is war. Oh. Sachant que ça peut être 2v2. On a un 2v2. Come on, guys. Alright, 2v2. Let's go. 2v2. We can win this. Alright. Oh god. Let's go on the hunt, man. Let's go on the hunt. Qu'est-ce que c'est que cette musique? Focus camera, please. Oh. C'est une musique de ouf. C'est quoi cette musique de taré? Go on the hunt, man. Go on the hunter. Sure. Yeah, I'm not proud, man. Oh shit, sorry, Caps. Ah, fuck it. No, I'm not gonna trinket this. We can win this! We did it! Come on, we did it! Oh, I'm gonna finish him. Stay away, man. Stay away, my little fella. Deterrence. Fucking popping debtor, man. Deterrence down. I can do it. I can do anything to me. Trinketed hunter. Deterrence. Fuck you, man. I'm gonna stay on you. Freezing trap. Fuck you. Down. Fuck you, man. What do you wanna do? What do you wanna do? Je vais te détruire la même chose, ça sert à rien. Quel pédale, ça sert à quoi? Ça sert à rien, je vais te défoncer la même chose, tu pourras pas me tuer. Ça sert à rien, il pourra jamais gagner.
N'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. J'ai même pas concentré. J'étais en train d'écouter la musique. Ah fuck! J'étais complètement ailleurs. Je sais pas ce qui s'est passé. Vous avez vu que j'étais absent? J'ai eu 30 secondes d'absence totale en fait. Je regardais ce que le gars me disait. J'écoutais la musique. Ah fuck! Je peux pas rester comme ça. Go man. Go. Go. Je peux pas rester là-dessus. C'était dégueulasse. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, dégueulasse. 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 Mon gars. Absence totale. Ah oui, bah c'est comme les rogues et c'est comme les... Mais j'aurais dû le défoncer tout de suite. Mais... Mais... Putain, la honte. Ah, oh, c'était la honte. Sérieux, la honte. Qu'est-ce que j'ai fou. Alright, man. Est-ce que j'étais en spé prot? Est-ce que je me suis remis en spé glade avant? Parce que quand on tag en prot, il nous met automatiquement en posture def. Je me demande, est-ce que j'étais en posture def? J'ai un doute. Non, non, peut-être pas. Non, non, je devais être en spé glade quand même, puisque j'ai pu charger, il me semble, avec la charge de bouclier. Whatever. Whatever. Ok. Protection Warrior. Oh, cool. Cool, man. It's gonna be a tough fight. It's gonna be a fight. Here. Ok, mon coéquipier est mort pour changer. Go down the hunt. I can kill the hunt. Fear. Deterrence. Fuck you, man. Leave me alone! Fucking hunters. It's gonna be hard, man. I'm alone. Deterrence. Ah, fuck! Fuck no! Salut Polymorphs! Man, I do play alone all the time, I'm alone. Je joue chaque fois avec des gens qui sont incapables de tuer quelqu'un en survie plus de 10 secondes! Oh my god! C'est terrible, j'ai failli. Et le pire c'est que j'aurais pu gagner. Le hunt a eu un poil de chatte sur la map surtout, parce que ça lui a permis de bien me distancer. Fuck them all, man, fuck those hunts. We're gonna win this one. Druide Key, Discipline Priest. Alright. 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 We're gonna do it, man. We're gonna do it. Skirmish all the way. Priest. Fuck, fuck. It's harsh. Salut, on n'a pas de heal. Qu'est-ce qu'il joue? Oh, mais en plus. Oh, mais si, il regarde le stuff! Et le pire, c'est qu'il me redemande pour. Mais je comprends qu'il soit mort, il est nul! Mais il est nul! Damn it! Put some pressure on the heal, man. Kill him. Kill him. Fear. Kill him, man! We can do it! Kill him! Kill him! Stay with me! No, man. Oh shit, I'm dead. Voilà, ça suffit, je peux plus rien faire. It's already dead, man. Comment voulez-vous que je gagne, man? It's just impossible to win! Oh my god, yes. Comment on va gagner contre un heal et un... Allez, qu'est-ce que je peux faire tout seul? Oh, ok. Oh, fuck you, man. Yo, fuck, I'm playing alone, man. It's really boring. It's really boring. Daniel, le gars, en plus, j'avais pas vu. Il me redemande pour faire une arène. Je me dis, ok, ça doit être un bon joueur. En fait, il est nul à chier. 613. Comment vous pouvez faire une escarmouche
avec du stuff 613. Même le sésame vous donne... Même le sésame PVE vous donne plus de stuff que ça. What the fuck? What the fuck? Comment vous osez rentrer en escarmouche avec du stuff 613? Vous servez à rien. En plus en 2-2. En plus en 2-2. You're useless, man. You're useless. As fuck. Damn it. Ok, dernier BG Aléa pour la matinée. Ensuite, j'irai manger un petit morceau. Et on se retrouvera... Ensuite, j'irai faire un petit peu de fit. Et puis, on reviendra vers 3-4 heures, je pense. Tranquillos. Avec un petit peu de nouveau escarmouche BG. Et les gens qui veulent venir faire des escarmouches en 2-2, en 3-3. N'hésitez pas à m'ajouter en bétag. N'hésitez pas, comme ça, en live. Voilà, on peut se faire des escarmouches avec les viewers. C'est aussi le but de la chaîne, c'est de jouer avec vous, de partager avec vous, guys. That's what I like, that's what I like. Talking with you, playing with you, guys. Donc, n'hésitez pas. Si vous voulez savoir quand je stream, boum, comme Zoldan et puis comme Pepouli, n'hésitez pas à faire un petit follow. Les 5 dernières personnes, boum, sont affichées là. Il y a une animation au milieu de l'écran en plus. Bram, avec une petite musique. That's crazy. Donc, n'hésitez pas. On peut jouer ensemble, on peut se faire plaisir. Eh oui, je fais du fitness. Yes, I do. Yes, I do, guys. Il faut faire du sport dans la vie. Voilà. Du sport, non-stop, pas que du fitness. Voilà, faites un peu de tout. Puisque la gonflette, ça sert pas... Voilà, ça sert pas qu'à être gonflé. Il faut faire d'autres choses aussi, parce que si vous faites que de la gonflette, vous serez tout laid. Il faut être complet, les gens. Il faut être complet. You know. Donc voilà, je reviendrai un petit peu plus tard. N'hésitez pas, on se fait des petits trucs ensemble. Ok. Alright. Alright, that's cool. Allez, BG, qu'est-ce qu'on a en BG? Allez, on va regarder un peu le stuff des gens, ça me fait toujours un peu pleurer des fois. My god, look at this. Comment, dans votre tête, vous n'avez pas honte de venir avec du stuff comme ça? Oh my god, this is crazy. But, anyway, pas de heal en face. Good news, on a un heal, good news. Est-ce qu'il est stuff? Not bad, we can do it, guys, we can do it. Il faut partir. Prochaine victoire, on arrête le stream. Il faut qu'on ait une victoire. Je n'arrête pas tant qu'on n'a pas une victoire, nom de Dieu de merde. Let's go. Qu'est-ce que c'est que cette musique? J'ai l'impression d'être dans le bar d'un hôtel de luxe. Alright. Oh, I'm proud. Not anymore. Oh, I want it. No. It's taking it. Wait for them, guys. Vanish. Already vanish? Come on. Ah, j'adore les rogues qui reviennent, je les connais. J'ai qu'à changer de cible, il revient sur moi. Et après, je le dégoûte. Rogues, si vous jouez en speedlat, les rogues ne vous feront plus jamais peur. Never. That's cool, isn't it? Oui, il m'a descendu un peu, rien de spécial. Rogue! Die, little rogue, die! You're dead. Now you're dead. Next. You're dead. No, let my people alone. Embête pas mon ami, s'il te plaît. No. Smoke bomb. Where are you going, man? Est-ce qu'il y a une orbe calibre? No. Oh, un mage! Come on! Je vais aller chercher l'orbe. Je vais aller chercher. What item do you use, Mr. Kumar TV? Welcome! Ça dépend. J'utilise pas mal d'addon. Dis-moi pour lequel d'addon, enfin, qu'est-ce que visuellement t'as attiré l'œil ou qu'est-ce que tu aurais besoin? Et je te le dis volontiers. J'utilise pas mal d'addon. Pour le PVP, j'utilise surtout les Battleground Targets, que vous connaissez peut-être. Regardez, je vais lui envoyer son trap dans la gueule. Ah, juste pas. J'utilise pas mal d'adon. Oh, God. Il y avait un fufu qui s'appelait Bash, comme Bajira. J'ai pas vu. Really? Oh, I'm dead. Shit. That's decent. Ah, fuck. J'ai pas vu qu'il y avait un fufu qui s'appelle Bash. Where is it? J'ai pas vu. Excusez-moi, probably j'ai pas compris. Là, je vois pas de Bash. Est-ce que t'as vu un truc que j'ai dû rater? J'ai raté un truc, je pense. Ah, le futur Bash! J'ai cru le fufu, excuse-moi, désolé.
Bajira, yeah, man. J'adore Bajira. C'est vrai, je le suis, même. J'arrive pas à le toucher. What the fuck? J'adore Bajira, j'adore aussi, pour ceux qui connaissent, je suis aussi Swiftie, qui est un excellent war. Excellent war, que j'adore, qui est très très gentil. Bajira aussi, qui est une très très bonne personne, qui est très gentil, qui fait des vidéos assez incroyables, qui est un très bon joueur aussi. Voilà, vous pouvez aussi, si vous avez vraiment envie de regarder un petit peu ce qui se fait dans le top mondial, n'hésitez pas. Let me finish this first. You're dead. Next. Si vous voulez voir aussi un très très bon joueur, il y a Joey Fernandez, qui a gagné la BlizzCon, qui est un war aussi, qui fait des vidéos, voilà, peut-être pas très attrayantes, c'est quelqu'un de pas très démonstratif. Ah, fuck, let me alone. Bloodbath. Mais voilà, Joey Fernandez, vous avez, ouais, okay, 3 sur moi, c'est bon, c'est parti, let me die. As much as what you said sounds beautiful. I'm English. Could you repeat? Could you? You're English, man. So what do you want to? What add-ons you want to see? Or you want me to tell you what it is? Just tell me the add-ons you want to see, or you want to know the name, and I will tell you for sure. Just precise it, because I don't know really what you want. There are so many add-ons that I use. I just can't tell them all. Just tell me what you want. I will tell you for sure, man. For sure. Qu'est-ce que je dis encore? Swiftie, t'as vu sa config? Oui. Voilà. Allez tous, si vous mettez Swiftie sur Google ou autre, regardez les images. It's crazy. Il a 4-5 écrans superposés. This is completely awesome. This is glorious, comme il dit. C'est pour ceux qui regardent Swiftie, il dit tout le temps. This is glorious, man. The panel and the PvP rotation. Oh, Mr. Kuma TV, look at this! Boom, man! Boom! Tails, do you know Tails from Sonic? The Hedgehog, I don't know how to say this. Petit Tails de Sonic, merci à Mr. Kumar TV. Yes, you can learn English with me, no problem, guys, no problem. Mr. Kuma, let me one moment, I will answer you just after this BG, right? It's okay for you? No problem? So the panel and the PvP rotation. So the PvP rotation, it's weak auras. Donc des weak auras pour tout ce que vous voyez ici sur mon écran. So it's something I made myself. It's weak auras, simple as fuck. You have to make them. And for the PvP panel, are you talking about this? This right here, on the right side? Yeah, I can speak English, dude, man. It's alright. It's cool. So if you want this panel here for the PvP targets, it's a battleground target. Simple. Efficiency. Oh god. Oh god. So. Alright, n'hésitez pas à poser des questions. Donc les Wikora ici, battleground targets ici. No down bottom with action bars. So, oh, don't know what you mean, man. Don't know what you mean. Let me. We're gonna look at this after the BG, right? Is this okay for you, Mr. Kuma? We win this. We're close to the end. Je pourrais faire un tuto live pour faire des Wikora. I'm a poop. Oui, je pourrais faire des tutoriels Wikora. Je connais très très bien la donne. Vous pouvez aussi, je l'ai déjà dit sur d'autres channels, vous pouvez me contacter via les messages privés de Twitch. Si on voit là en me disant j'aimerais faire un Wikora pour ça, je peux essayer de vous aider. No problem. So, the panel with the PvP rotation. I don't know what you mean. I don't see what you mean. If you can be a little more precise, I will try to understand. I'm sorry, Mr. Kuma. I don't understand what you mean. Die, motherfuckers! I'm gonna concentrate a little bit. Bloodbath! Rug! I want a rug! Oh, look at the damages. Execute! Oh my god! My god, sans deux cacrit! Boom! Execute! Spéglade, motherfuckers, sans deux cacrit. What do you want? Oh, action burst! It's actually LVI. I'm gonna write into the chat.
Elf UI. That's it, man. That's a complete new interface. Complete. That's an add-on, a big add-on that replaces quite everything in your interface. Action bars, whatever, everything. All right? You can see it here, maybe. It's here. You know, Elf UI. You can find it on the internet. It's easy as fuck to install. So Elf UI, and this replaces everything I have here. We won, guys. On a gagné, guys. Cool, isn't it? That was cool. Et j'utilise quelques add-ons avec Elf UI. Vous pouvez voir plugins. Here's the list, Mr. Kuma, if you want to see it. Here's the list of the add-ons I use with Elf UI. If you want to see it, you have some. Shadow and Light is quite good. Enhanced Nameplate ORS is quite good if you want to see the debuffs on the targets and the nameplates. And you have, this is not important. Extra Action Bars. It's actually good if you want to add some extra Action Bars, like this one. A little bit bigger, everywhere, anywhere you want, it's quite good. Donc si vous voulez rajouter des barres aussi, extra action bars pour Elf UI, qui vous permet de rajouter des barres comme je l'ai fait là pour avoir, ça remplace un petit peu des Wikora des fois en fait. It's quite easy, vous pouvez les rajouter comme ça. Alright guys, alright. Is that okay Mr. Kuma? Did you have your answers? Tonton, j'aimerais faire des Wikora pour mon disque et mon Druid Tank. Ça va bien, look at this, ça va bien. Regardez tous les Wikora que j'ai, hein. J'en ai pour le disque. J'en ai des tout faits pour le disque, normalement. Prête sacré, prête poly. What a disco, man. Look, disco. Disco, it's here, man. Yeah, man, thanks. You're welcome, Mr. Kuma. It's a pleasure. Disco, j'ai... Je crois même que j'ai le druide gardien. Let me see. Ah, je crois que je l'ai enlevé, parce que j'allais plus jouer, mais je m'étais fait un petit druide gardien. Vous en avez aussi sur le net, n'hésitez pas à mettre Wikoras, whatever you want, Guardian Druid, some shit. Il y a des gens qui ont fait des trucs incroyables. You can see so many things on the internet, so look for it. Cool, I think we're done. Je crois qu'on est bon pour ce matin. Moi, je vais aller manger un petit morceau, faire un petit peu d'exercice, me maintenir en forme, puisqu'il faut être... beau pour vous, guys. Je dois être tout le temps au top. Donc je pense qu'on va se revoir vers 3-4 heures. Vers 3-4 heures, je reprendrai le live. De toute façon, si vous êtes abonné. Si vous followez, vous avez les petites notifications directes. C'est ton anniv, Prolymorphs. Oh my god, live. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Prolymorphs. Happy birthday to you. Live, man! Happy birthday, live. Isn't it great? 24 ans. Je te souhaite un joyeux anniversaire. Alors profite de ta journée. On se revoit peut-être plus tard. Tous ceux qui nous ont follow, Peponi, Zoltan, Mr. Kumar TV, thank you guys, thank you. Merci à tous d'avoir été là. Merci à tous pour les follow. Moi je vous aime, ça fait toujours plaisir de vous avoir de plus en plus ici parmi nous. Et n'hésitez pas à me suivre, à passer le mot aussi à vos potes, etc. si ça peut les intéresser. Voilà, il y a le panel information qui est mis à jour en général dès que je peux pour vous annoncer de ce qui va se produire dans les prochains jours, etc. Le programme, un petit peu des choses. Il y aura bientôt des épisodes avec Tata. On va commencer le PVP avec Tata, guys. 2 contre 2. Elle va jouer Match Frost. On va essayer. Le but sera de monter en arène rankée le plus haut possible. À 2. En partant vraiment de 0. It's gonna be hard. It's gonna be crazy, guys. So, restez à l'écoute. Restez aware de la chaîne. Comment je peux dire ça? Parce qu'il y aura des nouvelles infos. J'ai quelques petites choses aussi qui arrivent prochainement. Des petites surprises. J'ai des petites surprises, dont une qui, à mon avis, sera assez drôle. Donc, stay tuned. Je pense qu'on va bientôt se marrer prochainement. Pour ceux qui seront là tout à l'heure, je vous dis déjà à toutes. Je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin. C'était super marrant, super pleasure. So, see you later, guys. Bon appétit pour ceux qui vont manger. Je vous souhaite sinon un bon après-midi pour ceux que je ne reverrai pas. Et un bon week-end. Thank you, man. Thank you, guys. See you later.